ça m'inspire quand même pas mal de questions parce qu'on se disait que en fin de carrière, on estimait qu'on était en fin de carrière à 35, 36 ans. Bon, on avait vu aussi gagner de grandes courses, certains coureurs gagner de grandes courses à la quarantaine. Là, quand même, 42 ans. Et puis, gagner la Vuelta, c'est une course de 3 semaines. C'est vrai qu'on est plus performant, plus on vieillit, plus on est performant sur le temps. Mais il a démontré de grosses qualités de grimpeur, il a suggéré sa course. Après, chapeau, un peu sceptique. Je me pose des questions. Voilà. Il arrive de nulle part, entre parenthèses, parce qu'on l'a vu passer quand même à Saunier Duval. Donc on sait quand même le passé de Saunier Duval, à Radio Shake avec Armstrong. On s'interroge, mais après il a gagné de belle façon, voilà. Et puis il n'a pas gagné avec 10 minutes d'avance non plus, et quelques secondes lui ont suffi de gagner. Avec toute la connotation dopage que nous avons sur le cyclisme, de suite les gens se disent que 42 ans quand même, gagner un grand tour, c'est vrai qu'en plus il a fait un break dans sa carrière, tout le monde s'interroge, c'est vrai.